Nouveau féminicide à Marseille, un couple de quinquagénaires a été trouvé mort ce samedi en fin d'après-midi à son domicile phocéen, tué par arme à feu, a-t-on appris de sources policières. Les deux victimes ont été trouvées à leur domicile, dans le 13e arrondissement, dans les quartiers nord de la ville. Les circonstances exactes de ce drame sont encore inconnues, a reconnu le commissaire de permanence à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône. Mais c'est probablement le mari qui a d'abord tué sa femme et s'est tué après, a précisé le policier, évoquant donc la thèse d'un féminicide suivi d'un suicide. Selon le ministère de l'Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides, c'est-à-dire tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, en 2019, et 102 en 2020.